Salut tout le monde, c'est BigGaming84 et on se retrouve aujourd'hui pour le tuto peinture des Stormtroopers pour le jeu Star Wars Légion. Donc, Star Wars Légion, vous le savez, c'est le jeu de bataille de l'univers Star Wars avec les Stormtroopers, les rebelles, les héros qui sont liés à ces factions. J'aimerais par-dessus tout que FLG sorte aussi d'autres choses, notamment des factions comme les Wookiees, comme la Fédération, comme la Confédération, les clones de la République, voilà, qui sont guère différents des Stormtroopers, de certains diront, mais ça me plairait de les avoir. Les Gungans, vous vous rappelez des Gungans, l'armée de Naboo aussi, des trucs comme ça. Des trucs tout bêtes, mais des factions qui pourraient être super sympas à avoir. La faction des Ewoks. La faction des Ewoks, ce serait excellent de l'avoir. Même si, bon, elle serait un peu faible. Mais ça pourrait être sympa. Ou alors d'avoir juste des sections d'Ewoks. Moi, j'aimerais bien. Ouais, je serais assez emballé par l'idée. Maintenant, à voir si on va faire des trucs comme ça. Je pense pas. Je pense qu'ils vont se cantonner à Rebelle, Empire. À notre plus grand désespoir, hein, mais bon, c'est leur choix, c'est leur business, et c'est un sacré business, ça leur rapporte de l'argent, donc ils savent manœuvrer le truc par rapport à d'autres. Nous, on agit par passion, ils agissent par, on va dire, par envie financière. Donc voilà, en tout cas, ces figurines de Star Wars sont très bien sculptées, moi j'aime beaucoup, la matière est très sympa. C'est une résine assez dure. On n'est pas sur un haut niveau de qualité de résine, hein. On est sur de la résine tout à fait classique. Après, niveau peinture, il n'y a rien de compliqué sur ces figurines. Là, en l'occurrence, on peint, pardon, ouf, je suis complètement à côté de la plaque, moi. On peint le capitaine d'une section de Stormtroopers. C'est assez simple, il est simple à différencier, vous le voyez, il a une épaulière d'une couleur différente. Moi personnellement, j'ai voulu différencier les épaulières de chaque section, de chaque capitaine de section, je vais y arriver. Donc lui, bon, lui en l'occurrence c'est orange. On va voir ça avec le temps, quoi. Avec les prochaines sections que j'aurai, je sais pas ce que je vais prendre dans le futur. Je pense prendre le TLTT, la grosse machine, le gros bipède impérial. Et ensuite, côté rebelle, soit des commandos, soit peut-être le Air Speeder. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On verra. Je sais pas, parce que bon, mine de rien, entre le Air Speeder et le TLTT, c'est un budget à 80 balles, donc. C'est costaud. C'est pas TLTT d'ailleurs, c'est TRTT. TLTT, celui des rebelles. Ou voilà, tiens, deuxième TLTT peut-être. Je sais pas. Je sais pas du tout. Je réfléchis encore. J'en sais rien. J'en sais rien du tout. On va voir. On va voir, ouais, tout simplement, on va voir. C'est vraiment. Je sais pas comment je vais faire évoluer le jeu Star Wars Légion. Déjà, je vais faire des parties. J'ai fait des parties test, je vais en faire avec des collègues, voir un peu comment ça passe. Je fais beaucoup de parties en ce moment, mais malheureusement. Enfin, beaucoup. Je fais des parties en ce moment, mais malheureusement, vous pouvez pas les voir parce que. C'est beaucoup de montage et avec la petite et tout, c'est pas facile d'avoir du silence pour parler. C'est pas simple et en plus j'ai acheté une maison donc voilà. Il y a beaucoup de choses en cours. Donc on en est où la figurine? Vous avez vu des diverses tâches et là je tiens à préciser, je tiens à revenir sur cette étape du medium gray. Alors ça sert à faire tout simplement un brossage à sec sur toutes les parties noires de la figurine, notamment le fusil blaster. Enfin, un pistolet blaster pour lui. Pourquoi? Ben parce que ça donne un effet, ça donne du relief à la figurine. Et également, ça fait des traces d'usure sur l'épaulière. Donc c'est très intéressant de faire ça. Pensez-y, c'est très important. Donc voilà. Donc honnêtement, aucune complexité sur la peinture de cette figurine. Faites-vous plaisir, c'est le plus important.
Vous pouvez également vous faire plaisir sur le flocage au niveau du socle. Moi, ce que je ne fais pas parce que je veux que pouvoir les utiliser où je veux sans qu'on me gonfle, tout simplement. Donc voilà. En tout cas, les voilà terminées, ces figurines, ces Stormtroopers de Star Wars. Moi, je me suis régalé. J'espère que le résultat vous plaît également. Pour moi, c'est des figurines emblématiques. C'est des soldats qui nous ont tous marqués dans notre jeunesse en ayant vu les Star Wars. Ils sont super sympas. En tout cas, j'espère que ce petit tuto vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime, un petit commentaire et surtout à vous abonner. Et je vous dis à plus tout le monde.